Yo, bien le bonjour du bonsoir, c'est Traclas et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 10 de notre let's play sur Fable Anniversary. Et donc dans l'épisode dernier on s'est arrêté, on venait d'arriver à Oakvale. Oh tiens, qu'est-ce qu'il veut lui? Le gang du point de fer de Bowerstone laisse rentrer n'importe qui. On n'est pas à Bowerstone. Ah oui, le gang du point de fer, c'est vrai qu'il faut que je pense à faire ça. Le gang de point de fer en fait c'est des combats de rue qui s'organisent que de nuit. Il faut d'abord faire celui de Bowerstone avant de venir faire celui-là. Du coup, je disais, dans l'épisode dernier, on s'est arrêté, on venait juste d'arriver à Oakvale, on avait fini notre quête où on devait escorter les marchands. Et donc moi, en off, j'ai fait un petit peu d'argent dans notre ancienne maison là-bas qui est à vendre. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Ah oui, attendez juste. Si je me souviens bien, il doit y avoir un coffre, voilà, juste là, à récupérer. 250 pièces d'or, ça fait toujours plaisir. Alors je vais vous montrer notre ancienne maison. Donc je l'ai déjà améliorée à fond hein, pour en achetant et vendant à force, hein, je l'ai améliorée à fond. Donc hop, notre petite maison, voilà à quoi elle ressemble. Hein. Elle est plutôt mignonne en vrai. Je vais en profiter là qu'il fasse nuit, je vais dormir un coup en même temps que je suis là, donc je vais mettre mes trophées. Donc comme vous voyez ici, il y a deux emplacements de trophées. Ce qui fait que quand je vends la maison, là je l'ai acheté à 16 000 et je peux la vendre 16 600 parce qu'il y a le cumul des deux trophées à l'intérieur. Du coup on peut se faire de l'argent beaucoup plus vite avec cette maison et c'est ça qui est intéressant avec la maison à Oakvale. Donc nous on va dormir, on va se remettre de journée parce que j'ai fait de l'argent, c'est pour acheter un petit peu des trucs dans les boutiques qui se trouvent ici. Ah non, merde, je les ai mis exprès, oh je suis con. J'ai fait exprès de préparer mes trophées pour vendre la maison et les récupérer, mais non. Non, non, le mec il est con. Quand on est con jusqu'au bout, quoi. Alors, déjà avant de faire les boutiques, on va faire un peu tous les points verts qui se trouvent sur la map. Putain, j'avais envie de lui foutre une patate, lui, mais... On va se calmer, on va éviter de faire trop de conneries. On va parler à Maz déjà, avant qu'il me saoule, voilà. Parce qu'il va me dire par ici toutes les deux secondes. Que tu étais trop célèbre pour te montrer ici. Eh oui, c'est parce que je suis une star, moi, maintenant. J'ai bien peur de ne pas en savoir plus sur ta sœur, et je ne peux rien faire de plus. Eh bah, ça me sert à rien. L'espoir demeure. Une prophétesse aveugle vit avec le clan de l'âme. Il se pourrait qu'elle puisse t'en apprendre plus sur ta sœur. Ah, ça c'est bien, ça, par contre. Et qu'est-ce qu'elle pourra dire sur ma sœur ? La prophétesse conseille le roi bandit. Ce n'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps. Oh, mais s'ils trichent aussi, hein. C'était un héros autrefois, un véritable géant. Mais il ne supportait plus la guilde. Il l'a quittée et a uni une douzaine de clans de bandits. Ah, rébellion. Je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer. Voilà ta chance de te venger. Leur camp ne doit pas être trop loin d'Oakvale. Le village est souvent attaqué. J'ai laissé une carte de quête à la guilde avec les détails. Ok. Choisissez vos quêtes à la guilde. Eh ben, on ira choisir nos quêtes à la guilde plus tard, parce que déjà, avant ça, on va faire les quêtes secondaires de Oakvale. Ah, un petit tonneau à péter, là. Paf. Il n'y a pas un truc, un coffre, je sais pas quoi de ce côté. Si, il y a un petit coffre. Paf, petit coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bottes d'assassin. Intéressant, intéressant. Alors, madame, que voulez-vous? Pourquoi n'es-tu jamais... Je me tiens souvent ici, à fixer la mer. Mon cher mari a disparu en mer, il y a des années. Il était parti pêcher et n'est jamais revenu. Il ne reviendra pas alors. Je n'ai pas abandonné l'idée de le revoir un jour. Ah, bah, je pense qu'il vaut mieux que t'abandonnes l'idée, hein, ma pauvre, hein, parce que si ça fait vraiment autant de temps qu'il est parti, il va pas revenir, hein. Ça se trouve, il est avec une autre, hein. le petit point vert ici, c'est le maître du jeu et un barde. Tiens, il veut. Salut, héros respecté. Eh oui, je suis respecté. Je suis un barde, et même un bon. Si tu le dis. Je chante pour vous et vous me payez. Ouais. Qu'en dites-vous ? C'est oui ou non ?
Ça coûte combien? 10 pièces d'or? Chante ta chanson, Bard. Monsieur est complexe. Oui, oui, je suis assez complexe, c'est vrai. Dans la grande ferme au verger, ouais. T'en ai mis plein les poches. Ouais. Le combat fut expédié. Ah oui, expéditif, ça c'est clair, hein. Elle nous a même pas touché, Whisper. Pour ces pauvres gens, c'était bien moche. Ah non, il parle quand j'ai attaqué la ferme. Ok, ouais. Enfin, si, en même temps, c'est quand j'ai attaqué la ferme que j'ai éclaté Whisper. Et il rattrape tous les hommes, le plus rapide comme le plus lent. Le temps est un métronome pour les bons comme pour les mauvais. Ouais. À toutes les demoiselles d'Albion, des contrées proches ou lointaines, il n'est pas marié, ce garçon. Effectivement. Profitez-en, c'est une aubaine. Oui, c'est une aubaine, oui. Ça va, tu m'as plu dans les derniers vers, du coup je vais pas te buter tout de suite. Ça, c'est un jeu claqué au sol, ça. Ça, faut pas le faire, ça, vous allez perdre toute votre thune avec ça. En fait, vous avez une petite pièce, là, et vous devez donner des pichenettes dans les pièces, passer à travers les verres et les vases, là, pour atteindre un rond qui est près de lui. Et pour se faire de la thune avec ça, c'est chiant de ouf. Vaut mieux aller directement à Bowerstone. Ça vaut largement plus le coup pour se faire de l'argent avec les jeux. Ou sinon, faites la technique des maisons, hein, c'est ce qui marche le mieux. Ça, c'est un garde-corps. On s'en fout. On n'a pas besoin de garde-corps, nous. On le paye pour qu'il vienne nous aider. Franchement, non. Donc, pas trop envie. Fiole de résurrection, ça fait plaisir. Il y a quoi dans les maisons? C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'aller fouiller dans les maisons, mais on peut y trouver des fois des trucs intéressants. Comme une potion de santé, ça fait toujours plaisir. En vrai. Là, il y a une dame. Est-ce qu'il y a un truc ici? Pas un truc, ni même un truc à creuser, non? Non, il n'y a vraiment rien. Et là, au bout. On fouille, hein, on fouille. On sait jamais ce qu'on peut trouver. On peut trouver des fois des trucs intéressants. Bonjour. Je peux vous poser une question personnelle? Oui, tu peux. Vous avez déjà mangé un champignon bleu? J'en ai partagé un l'autre soir dans les bois et c'était incroyable. Donc en fait, t'es une camée? C'était comme si j'étais vraiment liée à lui. Je me demande s'il a perçu la même chose que moi. Oh, Cyril, il était si doux. Mais comment savoir que c'était vrai? Ok, donc elle, en fait, elle nous donne un indice. Attendez, puis d'Ogval, pour votre santé, il est conseillé de bouillir l'eau avant la consommation. Je vais arriver à parler, merci beaucoup. Donc elle nous donne un indice sur un autre champignon bleu, donc qui se trouve au bois de la guilde. Donc il faut qu'on aille le faire. Il y en a aussi... Donc il y en a un autre où on avait découvert l'indice en volant, enfin en parlant au marchand qui était juste devant Ogval, là, qui nous disait qu'il y en avait un au pique-nique, à l'aire de pique-nique, il me semble. Allez, dégage là, regarde-moi pas que je puisse voler. Hop là, le guide du lait. Là, ça me va bien ça, parce que vu la gueule que je me tape là... Ah merde, elle m'a vu voler. Oh, flûte. Méthode culbuto. Super. Oh, elle m'a vu voler, elle est allée appeler les gardes, cette conne. Et voilà, 750 pièces de... Je vais la payer là, Manda, parce que je vais être tranquille, là, donc... Oh, un héros, j'aurais bien besoin de votre aide. Ouais. J'organise un petit concours de shoot de poulet sur la plage, mais j'ai un problème de fantôme. Oh, moi j'aime bien le shoot de poulet. T'as eu devant le poulet comme ça? Briché! Et hop, le poulet, il vole. Un ex-ami des poulets, sans doute. Sûrement. Mais le seul problème, c'est qu'il fait peur à mes clients, vous comprenez? Je comprends. Vous ne pourriez pas, vous savez, utiliser de la magie pour le chasser de là? Ben, on va voir ce qu'on peut faire, hein. On va voir si on peut régler ton problème de poulet. Problème de poulet. Problème de fantôme. Alors, fantôme sur la plage. Tiens. Faites-moi pas chier. Prenez-les vos 750 pièces, là. J'ai pas envie de vous exterminer tout de suite. C'est au programme, mais pas tout de suite. Oh,
Après si longtemps, enfin une bonne âme qui ne s'enfuit pas à ma vue. D'habitude, c'est les autres qui s'enfuient à ma vue. Cette plage maudite depuis tellement d'années. Les dieux vous auraient-ils envoyé pour mettre fin à mes tourments? Je sais pas. Aidez le fantôme. Mon esprit demeure au fond de la mer, et ma pauvre femme est dans le malheur et sans le sou. Elle croit que j'étais un simple pêcheur qui est toujours disparu en mer. Ouais, c'est ce qu'elle croit. Sans vouloir vous choquer, j'arrondissais un peu les fins de mois par la piraterie. J'ai ah, un pirate. J'ai caché mon trésor honteusement amassé près de la jetée sur la plage de l'Ouest. Si vous pouviez le déterrer avec une pelle et le donner à ma femme, je vous récompenserais au mieux. Vieux loup de mer. Si vous cherchez une pelle, ils en vendent en ville. Ok, donc lui nous dit que son trésor se trouve sur l'autre plage, donc la plage de l'Ouest, et qu'il faut donner ce trésor à sa femme. Et après, le fantôme, il se barrera de là. Donc on va faire ça tout de suite. Comme ça, on aura rempli deux quêtes en un. Enfin, même trois, parce que et lui, il a... Est-il du fantôme ? Oui, bah, le fantôme, t'inquiète, je suis sur le coup, actuellement. Donc, laisse-moi tranquille et je vais aller parler... Enfin, déterrer son trésor et après parler à sa femme. Et donner à sa femme. Et après tuer sa femme. Pour récupérer le trésor. C'est un peu ça, le projet, hein. Donc, son... trésor, il se trouve juste là. Normalement, voilà. Ah non, j'ai pêché. Non, je voulais pas pêcher, moi. Non, non, non. Y a rien ici, de toute façon. Allez. Oh là là, en plus, la cinématique est longue. Voilà, le trésor, il est là. C'est un trésor de... 500 balles. Ça rembourse même pas le prix que je viens de payer aux gardes parce que j'ai volé. Donc voilà le trésor tout pourquoi pourri hein, quand même. Jamais bah parce qu'il est mort. Voulez-vous donner 500 pièces d'or à la femme du pêcheur? Oui. Bonté divine. Ça vient de mon mari? Oui. Vous dites qu'il l'a gagné en transportant des touristes sur son bateau? Oui, 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 il a fait oui. Ça. Je me souviens l'avoir vu prendre des gens à bord. Ils ressemblaient à des bandits de loin. N'est-ce pas idiot? Je non, c'est pas idiot du tout, parce qu'en fait, c'était ça. C'était un homme honnête et droit. Non. Merci beaucoup. Je prierai pour qu'il rentre un jour. Mais après avoir fait un peu de shopping... Ouais, ça va faire du shopping, ouais. Ah non, j'ai gagné alors, du gentil. Ah voilà, j'ai pu récupérer les 500 balles. Ouais, j'ai bugué pendant 2 secondes parce que... En fait, j'étais en train de réfléchir. Fallait peut-être pas lui donner pour faire le truc en méchant et tout, mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Parce que du coup, ça m'a fait gagner un peu de gentil quand même. Ah, y a plus le fantôme. Oh non, y a plus le fantôme. C'est pas grave, je sais où il est son reste du trésor. On va le chercher tout de suite. J'ai peut-être tué sa femme un peu trop vite, du coup. Parce qu'après, en gros, il nous dit que le reste de son trésor est enterré. Pas ici, mais là, apparemment, il y a quelque chose. Oh ! Encore 500 pièces ! En gros, il nous dit que le reste de son trésor est enterré... Est enterré au cimetière. Donc après, on se rend au cimetière. Et au cimetière, il y a plusieurs trucs à récupérer normalement. Donc ça, c'est le cimetière d'Ogval. Et au cimetière d'Ogval, je vous conseille de vous mettre devant chaque tombe. Parce qu'il y a plusieurs tombes où on peut creuser normalement. Et on peut récupérer des trucs. En fait, à chaque fois que vous voyez une tombe dans ce jeu, vaut mieux passer devant, regarder si on peut creuser ou pas. Voilà, là en gros, le trésor du pirate se trouve juste là. Et le reste du trésor du pirate, c'est tout simplement une clé d'argent et la grande hache de obsidienne. Voilà. Normalement, c'est ça, hein, le reste du trésor pirate. Alors là, je vais juste faire fouiller un peu, regarder un peu toutes les tombes. Normalement, il y en a une par là. Ouais, bah celle-là, justement.
où on peut creuser pour une carotte dorée, ça fait plaisir. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ici, non plus. Ici, ici, oui. C'est ici ? Trésor, trésor ? Potion de santé, au calme. Ça, il n'y a rien, ça, il n'y a rien, ça, il n'y a rien, ça, il n'y a rien. Ça non plus, et ça non plus. Celle-là non plus. Bon, comme ça, c'est fait. Oh, c'est marqué quoi, là ? Cet arbre symbolise la renaissance d'Ogval sous les cendres fumantes laissées par le terrible raid des bandits. Que cette tragédie reste à jamais dans nos mémoires. Et oui, j'étais présent. Je suis un des seuls rescapés. Un des seuls, parce que du coup, il y a la petite qui va chercher Rosie qui est toujours vivante, hein, vu qu'on l'avait croisée la dernière fois. Là, on va parler au monsieur pour son problème de fantôme. Et qu'en est-il du fantôme ? Bah, elle est partie. C'est une excellente nouvelle. Passez donc nous voir là-bas, les poulets et moi. Oui, alors, ce dialogue, dans la traduction française, ils ont rajouté la voix, enfin, l'effet fantôme derrière. C'est juste une erreur de leur part, hein, parce que c'est pas un fantôme, lui. Hein, c'est un vrai homme vivant, bien vivant. Hein. Mais bon. Alors, le lat de poulet. Liste des prix, 50 points cocorico, 150 clés d'argent et 250 points un grand chapeau de poulet. Donc on va essayer de faire les 250 points quand même. Alors je sais pas si j'aurai les capacités physiques pour le faire. Parce qu'il faut avoir plus on a de physique, plus le poulet va loin. Seriez-vous intéressé par un sport tout nouveau ? Le lat de poulet ? C'est moi qui l'ai inventé. Et bah ça me plaît beaucoup. Ce que vous avez à faire, c'est entrer dans l'arène et latter cette vermine à plumes vers la zone de but. Vous voulez tenter votre chance ? Assez, hein ? Bon, ma vue n'est plus tout à fait aussi bonne qu'avant, mais je vois généralement où il tombe. Vous voulez tenter votre chance ? Assez, hein ? 50 pièces d'or pour participer. Vos armes. Et pas de sort non plus. Ce ne serait pas très sportif. Ce ne sont que des poulets, vous savez ? Bah oui, je sais bien que c'est que ensuite, des poulets. Nous pourrons commencer. Et bah c'est parti. Les zones de but se divisent en plusieurs parties. Plus loin vous envoyez le poulet, plus vous marquerez de points. Le coup de pied en diagonale vers l'extrême gauche ou l'extrême droite rapporte plus de points que le tir droit. La puissance de votre tir dépend de votre caractéristique de force et de vitesse. Prenez une course d'élan pour plus de puissance. La partie se joue en 5 manches, mordre sur la ligne blanche fait perdre une manche. Voilà, donc en fait pour tirer loin, il faut qu'on ait déjà assez de physique et assez de vitesse. Et il faut prendre un peu d'élan comme ça. Et brichier ! Et là, je crois que j'ai pas un du tout le physique là, qu'il faut. Ça, avant droit à 25 points. Ouais, bah j'ai vu que c'était un peu faiblard. Hein. Et brichier ! Oh, il a bien volé. Oh, 100 points. Salade sévère ici. Tir fabuleux, extrême droite, 100 points. C'est quoi déjà le truc ? C'est 250 points pour avoir le... Le plus gros prix. On va retenter. Et... Blichier ! Oh oh ! Oui, il est dedans. Et 100 points à l'extrême droite. Voilà, moi je suis champion du lat de poulet, moi. Donc normalement, il ne nous reste plus que 25 à faire. Et je devrais avoir mon... Le meilleur prix. On va retenter un 100. Prendre bien de l'élan comme ça. Parce que je vois que j'ai pas beaucoup de physique pour les envoyer très loin. Et blichier ! 50 points. Normalement, c'était c'est presque bon. Ça. Un centre gauche qui vaut 50 points. 50 points le centre gauche. Alors ne refaites pas ce jeu en vrai. Ça craint un peu pour le poulet, il a rien demandé. Il se prend des grands coups de blessé dans la gueule. 25 points, un score tout à fait décevant. Bah oh hein, tu vas te calmer hein. Vous croyez que les poulets ne volaient pas ? Eh si, ils volent. C'est parce qu'ils n'ont pas mangé assez de plomb, c'est sûr. Hein ? Je salue vos talents de botteur de poulet. Voici donc le chapeau de poulet. Merci bien pour le chapeau de poulet, ça fait plaisir. Voilà, on a gagné un chapeau de poulet. C'est stylé, hein. Vous n'en possédez qu'un seul, alors n'espérez pas en remporter d'autres. Et ouais, bah c'est merde. Une bonne partie de la poulet. Ah, mais attends, mais il me donne pas. Il m'a pas donné. Il m'a pas donné le reste. Moi, je croyais qu'il me donnait les autres lots en même temps, mais non, en fait, du coup, j'ai fait trop.
Bon, tant pis, hein. On viendra le refaire pour... ou alors je le ferai en off pour avoir la clé d'argent. Je vais pas vous saouler non plus avec du lat de poulet à l'infini. Du coup, on a tout fait à Hogval. Hein. On a déjà tout fait à Hogval. Donc on va se rendre à la guilde des héros, voir si on peut trouver Cyril. Et récupérer notre prochain champignon bleu. Pour la quête secondaire de champignon bleu qui nous... Que je vous rappelle, il nous en faut 3 pour sauver le petit garçon à Bowerstone Sud. Je vais y arriver. Donc hop, guilde des héros, tant qu'on est là, on va passer ici. Voir si on peut pas améliorer un peu notre physique, ça fait plaisir. Allez, santé, ça fait plaisir. Vitesse, je ne peux pas... qu'est-ce que j'ai comme sort qui pourrait être intéressant à améliorer? Oh, j'ai pas l'épée spectrale. Bon, on va acheter l'épée spectrale. Comment ça se fait que j'avais pas l'épée spectrale, moi? Surprenant, ça. Boule de feu, j'utilise pas tellement. Poussée magique non plus. Charge assassine, moins. Et ben, on va augmenter notre ruse. Voilà, je peux même l'améliorer 2 fois. Devenez un commerçant débutant possédant la capacité nécessaire pour marchander et obtenir des meilleurs prix. Vous deviendrez également plus discret. Vous pourrez vous approcher plus facilement des gens et des créatures sans révéler votre présence. Ça, c'est intéressant, notamment pour voler, la taille comme ça. Et plécher. Est-ce que je peux voler là? Donc il nous voit. Je sais pas s'il me voit du coup là. Je crois qu'il me voit. Hein. Là il me voit clairement. Non, je regarde les articles. Qu'est-ce que tu crois? J'ai... Hop là! On vole. Ah! Rien à voir avec moi. Il m'a saoulé. Bon, quand on tue les marchands, on peut plus rien voler par contre. Non, c'est pas moi! J'ai rien fait de mal! Je voulais juste voler! Non, mais vous avez cru que j'avais payé 2750, vous êtes des grands malades! Laisse-moi tranquille, toi, par contre! Oh, mais. Oh, je l'ai tué tellement vite! Choqué! Vous êtes devenus si nuls pour moi, les gardes! Oh, comme on les éclate! Je suis choqué par notre puissance! On devient beaucoup trop fort! Juste, est-ce que ça m'a mis l'épée spectrale? Parce que je crois que j'avais un double dans mes pouvoirs. Oh, mais il y a du monde, eh! Et j'espère que ça va pas faire enlever le gugus de la... des bois de la guilde, là, parce que... Épée spectrale, c'est peut-être ça? Ouais, si c'est bon, il y est. Voilà, bah là, on est bien, là. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Attention. Bliché! Allez, one shot. On va récupérer l'XP quand même. Voilà. Direction le bois de la guilde. Et là, normalement, on devrait y trouver Cyril. Voilà, il est là, Cyril. Le fameux monsieur dont la femme de Hogval est amoureuse. Bonjour. Parce qu'ils ont mangé un champignon bleu. Pourriez-vous me rendre un grand service? Je m'appelle Cyril. Nous avons fait une petite fête ici l'autre soir avec des amis et j'ai rencontré Mira, une beauté fatale d'Hogval. C'est vrai qu'elle est plutôt belle. Elle était superbe. Enfin, je crois bien. Mais je croyais aussi que les arbres couraient sur leurs petites jambes de chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, t'étais défoncé au champote, quoi. Enfin bref, j'ai vraiment envie de la revoir. Enfin, je crois. Peut-être que c'était l'effet des champignons et qu'en fait c'est qu'un laidron. Mais si ce n'en est pas un... Et qu'elle n'a pas envie de me revoir. Que faire? Alors, c'est pas un laidron et elle a envie de te revoir. Ça ne change rien. Je vais tenter ma chance. S'il vous plaît, portez-lui cette lettre à Hogval. Ouais, on va faire ça, mais c'est bien pour le champote, hein. Le poème suivant est nerveusement griffonné sur la feuille. Mon cœur bat pour toi, Mira. Tu as embrasé mon cœur et mon âme. Tes yeux sont 2 astres brillants et tes seins 2 melons géants.
Je t'en prie, dis-moi tes sentiments, car moi, je sais que je t'aime vraiment. Laisse-moi être ton bien-aimé, ou j'arrête les champignons, promis juré. Je dois savoir ce qu'elle ressent. Quel atroce suspense. Encore une chose, n'essayez pas de faire passer cette lettre pour la vôtre. Je perfectionne ma rime depuis des jours. Ok. Bah, super, super. Ton poème. Et bah, retournons directement à Ogval. Hop, Ogval. Et on va aller lui ramener directement ce petit poème d'amour. Voilà. En bon, en plus, on est juste à côté, donc c'est encore mieux. Salut, meuf. J'ai une lettre de ton amoureux. Vous me trouvez jolie? Ouais, ça va. J'ai rencontré un garçon à une fête dans les bois de la guilde. Lui, il me trouvait très jolie. Il se peut qu'il soit amoureux de moi. Vous ne lui auriez pas parlé, des fois? Si, je lui ai parlé, il a une lettre pour toi. Mais je te la donne pas. Eh bien, si vous le voyez, essayez de savoir si... Oh, mais quel idiote! Il ne peut pas m'aimer. Non, il t'aime pas. Vous me trouvez jolie? Oui, oui, on te trouve jolie, c'est bon, on te la donne, ta lettre, voilà. Oh, est-ce que ça vient de vous? Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est moi, Jean-Marquisa. Mentir, Amira, et dire que cette lettre est de vous. Oui, c'est de moi. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Ouais, je sais. Tenez, acceptez ce gage de ma grande affection. Oh, bah. Lettre de Mira. Oh, je suis si heureuse que tu m'aimes avec une telle fougue, car moi aussi je brûle pour toi. Nous nous reverrons bientôt, mon amour. Et rien en Albion ne pourra nous séparer, car je suis à jamais liée à toi, Mira. J'ai déjà oublié le garçon des bois de la guilde, mais vous, vous êtes un homme, un vrai. Oh, j'ai hâte de parler de vous à Fiona. Fiona? Fiona de Shrek? Ah bon? Tu veux parler de moi à Shrek? Bah, vas-y, hein, va parler de moi à Shrek. Hein. T'inquiète, on va se marier bientôt. maintenant, je crois qu'il faut qu'on retourne à la guilde. J'espère qu'il sera encore là. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Ah, c'est bien, en plus j'ai pu me re-TP directement au bas de la guilde vu que je m'étais déjà TP de d'ici. Bonjour, monsieur. Non, hey. Mais ne serait-ce pas une réponse que vous me cachez? Si. Pourquoi vous l'a-t-elle donnée? Elle a dit quelque chose à mon sujet? Non. Non. Au moins comme ça, je suis fixé. De toute façon, je parie qu'elle avait une tête de vieux facochère. Oh, oh. Vous devriez prendre ça. Je ne voudrais pas encore tomber amoureux d'une face de babouin. Oh, 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 la violence. Bah au moins, on a notre champignon bleu, hein. Ah, pourquoi j'ai gagné du gentil, moi? C'était tout sauf gentil, ce que je viens de faire. Mais... Mais... Attendez, je bug, là. Je viens de ruiner un couple et j'ai gagné du gentil. Le jeu, il perd la boule, là. Oh, puis eux aussi, ils perdent la boule, là. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient réussir à faire quelque chose contre moi. Non, mais franchement... L'être le plus puissant de tout l'Albion. Ils ont cru quoi, eux? Voilà, dégagé, bande de schlag. Eh, je gagne un petit peu trop de points de gentil dans cette session-là. Ça me va pas, hein. On va bien tuer les gens, voilà, sur notre passage. D'ailleurs, pourquoi ça m'affiche même pas que je gagne des points de méchants, là, alors que je bute des gens? Bizarre, ça. Cassez-vous, là. J'aimerais bien aller chercher mon autre champignon, là. Voilà, toi, tu dégages. Voilà. Voilà. Allez, le garde. Mais arrête de reculer. Mais il spawn en boucle. Oh, laissez-moi tranquille. Laissez-moi aller chercher mon dernier champignon. Oh, c'est pas possible, ça, hein. Putain. Voilà. Allez, on se barre. Parce que là, 38 000 balles d'amende, ça fait mal aux fesses. Hein. On va pas se le cacher. Hop. Petite porte au calmezer. Alors, normalement, si je me souviens bien, le prochain
Champignon bleu se trouve à l'aire de pique-nique. L'aire de pique-nique qui doit être juste ici. Voilà. Et normalement ici, il y a une dame qui veut... Enfin, qui possède un champignon bleu. La voilà. Qui est en train de chialer sa race. Ça marche pas. Waouh. Pourquoi ça marche pas? Oh, ma allure étrange. C'est vrai que j'ai une allure étrange, ouais. Mais toi, t'as une voix encore plus étrange, hein. Bon, j'ai mangé le champignon. Là, ils m'ont tous dit que je rigolerais comme un fou si je le mangeais. Et ça marche pas. Pour l'instant, niveau rigolade, c'est zéro, hein. Vous pouvez me faire rire? Allez, quoi? Te faire rire? Moi, je sais faire... je sais faire ça, moi. Et ça, c'était supposé être drôle, c'est ça? Oui, c'était drôle. Je sais faire... qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je sais faire ça. Merde! C'est pas bien, hein? Oui, c'est vrai que c'est pas bien. Il faut l'écouter, elle, parce qu'elle a raison. Il faut pas faire comme moi, hein. Je vais faire ça. Allez. Ça, c'est encore pas, encore moins bien. C'est comme ça que vous draguez les filles. Encore. Elle est bizarre, elle. Hein. Oh. Elle aime bien ça, elle. Rire effrayant. J'aime pas ça. Vous m'avez terrifié. Bah, par contre, apparemment, faut vraiment la faire rire. Donc on va avoir l'air un peu ridicule. Oh, ou alors, je sais. Voilà, on a le champignon bleu. Pourquoi faire rire elle là et se ridiculiser devant plein de témoins là? Dégagez, dégagez. Voilà, moi je fais pas rire les gens, moi je suis quelqu'un qui leur fait peur. Vous êtes censés avoir peur. Voilà. Donc normalement même le gars qui était dans les bois de la guilde là, on aurait pu juste le tuer pour récupérer son champignon. Bah, je crois que je l'ai tué en fait. Oh, je sais même plus. Mais c'était plus marrant quand même de voir de ruiner leur couple. Alors maintenant on va pouvoir se rendre à Bowerstone et faire cette fameuse quête pour sauver le petit garçon. C'est ça qui est intéressant à la base. Avec ces quêtes de champignons. D'ailleurs, est-ce qu'il faut que je parle au petit garçon ou à la sorcière? Non, faut que j'aille parler à la sorcière en premier. Méthode culbuto, hop, hop, tatouage, hop. Personne m'a vu, tout va bien. Peinard, personne m'a vu, on continue. Tic tic tic. Quai de Bowerstone. Là où il y avait l'autre qui s'était foutu de notre gueule, là, le vieux là. Qui voulait qu'on pécho sa fille alors qu'en fait il avait pas de fille, l'enfoiré. Biche! Wouah! Oh, ah bah là, il a vraiment volé le poulet, hein. Donnez les champignons bleus à la sorcière. Oui. Ah oui, bien. Ce sera parfait. Donnez-moi quelques heures et... Non, mais n'importe quoi, moi. J'ai de la potion toute brette. Je suis une vraie tête de linotte. Tu t'es foutu de ma gueule, quoi. Elle aussi, elle s'est foutue de ma gueule, quoi. Je vais garder les champignons, si ça ne vous dérange pas. Je vais juste les mettre à l'abri. Voilà. Au revoir. Ah ouais, donc en fait, elle aussi, c'est une camée aux champignons. Oh, comment osez-vous? La prochaine fois, je vous lance une bonne malédiction. Ouais, je suis sûr que t'es pas sorcière, en vrai. Ne jouez pas avec moi. Frappez-moi encore, et je vous colle un pied beau. Le gauche. Non, le droit. Les deux, tiens. T'es juste une camée, t'es pas une sorcière. Bon, d'accord. Je ne peux pas vous maudire. Mais arrêtez quand même. Je ne sens rien. J'ai un sort de protection actif. En fait, c'est une fausse sorcière, elle. Comment osez-vous? Je peux pas la tuer, c'est dommage, hein. En fait, en Albion, on apprend que tout le monde sont des camés aux champignons. Quand on voit la gueule du... de l'Albion, les gens et tout... Enfin, comment est agencée toute région, là, ça m'étonne même pas. Hein. Que ce soit tous des camés aux champignons. Donner le remède de la sorcière à la femme, oui.
Et voilà, il danse, le petit garçon, il est content. Ah 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 ah, ça y est, il est remis sous pied. Je n'en reviens pas. Récompense. La femme nous a vraiment aidés. Je n'irai plus jamais aux chasses aux sorcières maintenant. C'était pas une vraie sorcière. Hein. Nous n'oublierons pas votre bonté, héros. Bonne chance dans vos quêtes. Ouais, ma bonté. Tiens, elle est là, ma bonté. Tu vois, ça c'est une belle bonté, ça. Hein. Alors, ça trouve comment ma bonté, là? Je suis bon avec toi ou pas, là? T'es morte? Oh putain, je peux pas. Finis là. Allez. Dommage que j'ai pas mes armes dans ce village, là. Tiens. Allez. Je crois que je peux pas les tuer, de toute façon, ici. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Bon, cette quête, par contre, elle nous... Aussi bizarre que ça puisse paraître, elle nous donnait pas de... Elle nous donnait pas de trucs de méchants. Enfin, des points de gentil, pardon. Je m'embrouille, tout va bien. Et du coup, ben, on a enfin fini la quête des champignons bleus. C'est magnifique, ça. Fini la quête des champignons bleus. Déjà, au moins ça, on est débarrassé. On a fait toutes les quêtes de Hogval. Faut juste que je récupère la clé d'argent, mais je vais faire ça en off. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc c'est un épisode un peu plus tranquille. Hein. On a fait surtout les quêtes secondaires qu'on avait à faire par ici. Et on fera autre chose dans le prochain épisode. Je sais pas encore parce qu'il y a des endroits que je voulais vous montrer aussi. Donc on verra ça au prochain épisode. En tout cas, je vous dis merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse comme d'habitude mettre un pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche. Et on se retrouve dans un prochain épisode.